Bonjour à tous, mes futurs confrères que je suis ravi d'accueillir ce soir, ou ce matin plutôt d'ailleurs. C'est à cause de la lumière. Je m'appelle Simon Oliven, je suis le cinquième secrétaire de la conférence du stage actuel en charge des lieux de privation de liberté. C'est pour ça qu'on m'a demandé d'être votre MC aujourd'hui, votre maître de cérémonie. Et je vais tout de suite commencer cette belle cérémonie par introduire votre prestation, non pas du petit serment, qui est un terme vraiment inique et laid, mais de votre prestation d'élève avocat, de serment d'élève avocat, qui est votre premier serment, votre premier acte d'entrée dans la vie judiciaire, et qui va se faire par et devant une cour que je vais appeler dans quelques instants. Avant de l'appeler, je dois vous rappeler les règles, puisque certains d'entre vous n'ont jamais assisté à une audience, et c'est la première fois. Lorsque la cour entre, on se lève. Lorsque la cour repart, on se lève également. Et on n'applaudit jamais une cour. C'est un jeu d'assis debout, vous vous levez, vous vous rasseyez, mais vous êtes obligé de vous complaire à ces usages. Et de la même manière, vous suivrez les indications du premier président, notamment lorsqu'il vous demandera de vous lever pour prêter serment, et vous le prêterez collectivement tous ensemble. Mais voilà, c'est lui qui vous rappellera l'ensemble des règles, mais je vous demande donc de vous lever pour introduire la cour. Je vous remercie. Et je demande, en attendant, pardonnez-moi, que les membres du Conseil de l'Ordre se mettent dans les travées pour que la cour puisse faire son entrée. Mesdames, Messieurs, la Cour. L'audience solennelle de la Cour est ouverte. Veuillez vous asseoir. Madame la bâtonnière de Paris, monsieur le vice-bâtonnier, mesdames et messieurs les bâtonniers du ressort, mesdames et messieurs les membres du Conseil de l'Ordre de Paris, madame la présidente de la Cour administrative d'appel, madame la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, monsieur le directeur de l'EFB, Monsieur le directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature, mesdames, messieurs, chers élèves avocats, je déclare ouverte l'audience de prestation de serment des 1566 élèves avocats ayant réussi l'examen d'accès à la prestigieuse école de formation des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris. À toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette grande et belle salle du Palais des Congrès de Paris qui, il est vrai, est un lieu un peu atypique pour tenir cette audience délocalisée de la formation solennelle de la Cour d'appel, mais après tout, les avocats ont en partage avec les acteurs la pratique de l'art oratoire. Avec Monsieur le procureur général qui s'adressera à vous dans quelques instants, je tiens au nom des magistrats de la Cour d'appel de Paris, à vous féliciter chaleureusement pour votre succès à cet examen exigeant. Je vous adresse en ce début janvier nos vœux sincères de réussite dans votre scolarité et de plein épanouissement personnel dans l'exercice futur de cette belle profession d'avocat si essentielle à la défense de notre État de droit. Vous intégrez l'école du barreau de Paris au moment même où la profession vient de célébrer le 50e anniversaire des centres régionaux de formation des avocats qui, comme l'a souligné le président du CNB, M. le bâtonnier Jérôme Gavaudan, ont permis de développer un savoir-faire, des compétences pédagogiques et organisationnelles en faveur
des élèves avocats. Je salue bien amicalement Madame la bâtonnière de Paris et Monsieur le vice-bâtonnier, ainsi que les bâtonniers du ressort, qui vous accompagnent en ce moment singulier, qui marque le point de départ d'une expérience de vie unique, celle de servir la justice et de mettre au service des femmes et des hommes qui vous confieront la défense de leur intérêt et parfois de leur honneur, vos compétences techniques et juridiques, mais aussi votre engagement de tous les instants. C'était également avec beaucoup de plaisir que je salue mon ami Gilles Accomando, qui, riche de son expérience de magistrat et d'enseignant à l'École nationale de la magistrature, dirige aujourd'hui avec enthousiasme et dynamisme votre belle école. Je sais qu'il partage avec la directrice de l'ENM, Nathalie Roray, l'objectif d'établir des ponts toujours plus solides entre les deux écoles, tant il est vrai que magistrats et avocats sont les deux faces indissociables de la justice. La présence dans cette salle de la marraine de votre promotion, Madame Dominique Simoneau, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, que je salue, revêt une importance toute particulière alors que, nous le savons, la surpopulation carcérale atteint aujourd'hui, malheureusement, un niveau inégalé. Son regard sans concession est sans concession sur l'état de nos prisons, mais il a le grand mérite d'inviter chacun des acteurs judiciaires à s'interroger sur ces pratiques, même si la dimension systémique de cette situation et le manque de moyens ne sauraient être occultés. Devant elle, je vous le dis, chers élèves avocats, emparez-vous des textes et des moyens de droit existants. Investissez le champ du droit de la peine, et notamment les dispositions du bloc peine issues de la loi du 23 mars 2019. En effet, aujourd'hui, plus encore qu'hier, l'enjeu du procès pénal, ce n'est pas seulement le débat judiciaire indispensable sur la culpabilité, c'est aussi la détermination de la juste peine. Nous, magistrats, attendons des avocats qu'ils prennent toute leur part à cette démarche en proposant aux juridictions correctionnelles des solutions crédibles en termes d'aménagement de peine et d'alternatives à l'emprisonnement. C'est en vous engageant résolument dans cette voie que vous donnerez toute sa portée et son sens au serment d'avocat que vous prêterez à l'issue de votre scolarité. Le serment que la Cour va recevoir ce matin n'est pas encore celui de l'avocat, mais néanmoins, il vous engage et vous oblige. Il vous permettra de participer à toutes les activités de formation, mais en vous soumettant aux exigences du secret professionnel auxquelles sont tenues celles et ceux qui vous formeront ou vous accueilleront en stage. Je tiens donc à souligner devant vous la force de ce serment. La solennité de cette cérémonie est là pour marquer la portée des valeurs de l'éthique et de la déontologie de la profession d'avocat. Ces principes constitueront les balises qui vous guideront tout au long de votre formation et ensuite de votre exercice professionnel. À cet égard, je ne puis que vous enjoindre à suivre pendant votre scolarité avec une attention toute particulière les différents modules de formation consacrés à la déontologie qui englobe des thématiques variées et essentielles telles que la question du blanchiment, la protection des données personnelles ou encore, bien évidemment, les relations avec les clients, les confrères ou les autres acteurs judiciaires. Cette question de la déontologie est d'ailleurs si fondamentale et commune à l'ensemble des professions du droit que la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire prévoit désormais pour chacune d'entre elles l'adoption d'un code de déontologie. À vrai dire, pour les avocats, ces règles forgées au fil des ans figurent déjà dans le règlement intérieur du barreau qui constitue, je cite, le socle de la déontologie commune des avocats.
Je vous invite également à lire et à vous nourrir des travaux du Conseil consultatif conjoint de la déontologie de la relation magistrat-avocat placé auprès des chefs de la Cour de cassation. Ces travaux ont conduit notamment à la rédaction d'un guide des usages et bonnes pratiques dans les relations entre les membres des professions et à restaurer les usages et la foi du palais. La foi du palais n'est pas une notion désuète. Elle est le ciment de la confiance qui doit unir l'ensemble des membres de notre communauté judiciaire. Comme l'ont écrit les auteurs de l'ouvrage de référence « Droit et déontologie de la profession d'avocat », elle scelle la valeur de la parole donnée entre serviteurs de la justice. Fondée sur l'honneur de la robe, elle est une morale spéciale. Elle facilite grandement les rapports entre magistrats et avocats, et bien sûr, entre avocats. Elle permet de se faire confiance en se croyant sur parole. Malheur à celui qui manque. Mesdames et messieurs les élèves avocats, la justice a besoin de magistrats indépendants, tout comme elle suppose des avocats libres et indépendants. L'indépendance est en effet la condition de la confiance que nos concitoyens placent dans la justice. La présence au cœur du débat judiciaire d'avocats est la garantie que la libre défense est la garantie de la libre défense des intérêts de leurs clients, mais elle est aussi une garantie contre la solitude du juge. Elle permet de cheminer vers une vérité judiciaire qui n'est certes pas la vérité absolue, mais seulement parfois une vérité raisonnable. Une défense puissante permet en effet d'aboutir, dans la contradiction loyale des arguments échangés, à une solution équilibrée et juste. Mais ne vous y trompez pas, cette indépendance n'autorise pas tout. Elle n'exonère pas les avocats, comme elle n'exonère pas les magistrats, de leur obligation de se conformer aux devoirs de leur État et aux règles déontologiques qui régissent la profession. Comme les magistrats, vous serez tenus à un devoir de dignité et de probité qui s'entend de l'attention portée à autrui, du respect mutuel. Il vous imposera d'entretenir des relations empreintes de délicatesse avec vos interlocuteurs. Il vous conduira à maintenir intact, en toutes circonstances, la loyauté de vos échanges avec vos contradicteurs et à faire une application exacte de la règle de droit que vous ne devrez pas sciemment déformer ou détourner. Vous devrez également maintenir éveillé votre conscience professionnelle, qui est le soin porté à son travail, à bien faire son métier. Cette exigence vous engagera à l'égard de celles et ceux que vous assisterez ou représenterez et qui vous accorderont leur confiance. Vous leur devrez votre compétence et la transparence dans les chances de succès de leur affaire ou encore dans la facturation de vos honoraires. La conscience professionnelle vous conduira à maintenir tout au long de votre vie professionnelle à un haut niveau votre compétence professionnelle en respectant votre obligation de formation continue. Elle vous imposera un devoir d'efficacité et de diligence dans l'exécution des mandats qui vous seront confiés, sans en négliger aucun, notamment dans les dossiers les moins rémunérateurs. J'ajoute que ce désintéressement dans la défense des plus démunis est l'honneur de votre future profession. Mais aujourd'hui, je vous invite à vous inscrire avec humilité dans une démarche d'apprentissage et de découverte d'un nouvel environnement professionnel en faisant preuve d'écoute et d'ouverture d'esprit. Votre scolarité vous permettra d'approfondir vos connaissances techniques et pratiques, de développer les méthodes de travail et un savoir-faire indispensable. Votre futur environnement professionnel, c'est aussi le palais de justice. C'est pourquoi je ne puis que vous encourager à vous inscrire dans les stages PPI qui, en concertation étroite avec l'EFB et les 9 barreaux, vous sont proposés à la Cour d'appel de Paris et dans les tribunaux judiciaires de son ressort. C'est en effet une opportunité unique de découvrir de l'intérieur le fonctionnement des juridictions, de travailler aux côtés de magistrats, d'appréhender le processus d'élaboration des décisions de justice en participant à des délibérés.
J'ajoute que vous aurez également la possibilité de participer à l'expérimentation du rapport à l'audience qui a été initié avec succès par mon prédécesseur Jean-Michel Ayat et Madame la Bâtonnière de Paris. Dans le cadre de ce stage, d'un genre un peu nouveau, l'élève avocat affecté dans une des chambres civiles, commerciales ou sociales de la Cour, se voit confier la rédaction du projet de rapport transmis aux avocats en vue de l'audience qui devient ainsi plus interactive. Cette nouvelle modalité de stage PPI contribue aussi de manière très concrète à rapprocher nos deux professions et à favoriser un processus de co-construction de la décision de justice. Et je crois qu'il reste encore un certain nombre de postes à pourvoir, donc je lance un appel à candidature. Pour terminer, au nom de la Cour, je vous renouvelle à toutes et à tous les plus vives félicitations de celle-ci et ses vœux de pleine réussite dans votre nouvelle vie professionnelle. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour vos réquisitions. Monsieur le Premier Président, Madame la Bâtonnière, chère Julie Couturier, Monsieur le Vice-Bâtonnier, cher Vincent Nioret, Monsieur le Directeur de l'École de formation du Barreau, cher Gilles Accomando, Madame la Contrôleure Générale des lieux de privation de liberté, chère Dominique Simoneau, Madame la Première Présidente de la Cour administrative d'appel, cher Pascal Fombeur, Monsieur le Directeur adjoint de l'École nationale de la magistrature, cher Afid Boulacras, Mesdames et Messieurs les bâtonniers du ressort, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l'Ordre, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs. Ainsi que le veut désormais la tradition, l'audience solennelle de prestation de serment des élèves avocats se tient hors du palais de justice historique de l'île de la Cité à Paris. Cette année encore, elle intervient dans l'enceinte d'un autre palais, le palais des congrès, bâtiment réputé dans le monde entier, mais sans lien apparent et évident avec le rituel judiciaire. Et je dois vous avouer qu'il peut paraître étonnant pour un procureur général de se trouver sur une scène de spectacle pour prendre des réquisitions. Pourtant, à bien y regarder, le lien qu'entretient ce lieu avec le monde judiciaire, mais aussi avec les missions de votre marraine de promotion, n'est pas si ténu. Il n'est pas si ténu parce qu'en effet, l'un des architectes du Palais des Congrès, M. Guillaume Gillet, a réalisé non seulement plusieurs établissements pénitentiaires, comme la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, je crois qu'il a une dizaine d'établissements pénitentiaires à son actif, mais aussi l'École nationale de la magistrature. Et c'est donc avec un sentiment presque familier que j'interviens ici pour la deuxième année consécutive, conscient également de l'espace et du confort qu'offre ce lieu pour la tenue de cet événement important aux dimensions extraordinaires. Important, cet événement l'est d'abord pour vous toutes et tous, mesdames et messieurs les élèves avocats, individuellement. Il marque un passage que vous franchissez après des années d'apprentissage et de préparation. Et je tiens à cet égard à vous adresser à chacune et chacun mes plus vives et sincères félicitations pour votre réussite dans un parcours que je sais exigeant et pour le choix que vous avez fait de devenir avocat. C'est une profession, celle que vous embrassez aujourd'hui, essentielle et complémentaire d'ailleurs à celle de magistrat. Car ensemble, chacun à notre place, dans nos rôles respectifs, mais de manière indissociable, nous défendons au quotidien l'état de droit. À ce titre, les choix inédits effectués lors de la nomination des directeurs actuels
des deux plus grandes écoles de formation des professionnels du droit, l'EFB, qui a désormais à sa tête un magistrat, Gilles Accomando, et l'ENM, dirigé aujourd'hui par une avocate, Maître Roret, sont un symbole du lien qui unit nos professions. La cérémonie solennelle d'aujourd'hui marque ainsi le commencement de votre histoire professionnelle, de votre parcours professionnel, qui va vous lier à jamais à la justice par un engagement indéfectible. Croyez-moi, vous vous souviendrez à jamais de cet instant. Son importance vient aussi du fait qu'il vous inscrit dans une œuvre collective, celle d'une formation d'excellence vers une profession que vous exercerez prochainement. Madame la bâtonnière, je sais l'intérêt constant que vous portez à la préparation offerte par l'école de formation du barreau. Et monsieur le directeur de l'EFB, j'ai conscience de l'ensemble des moyens que vous mobilisez pour assurer la diversité et la qualité des enseignements qui sont dispensés dans cette très grande école. Je tiens à vous dire que les magistrats du ministère public accordent eux aussi une importance primordiale à la formation des avocats, à laquelle ils participent en prenant part aux instances de l'école, mais aussi aux activités pédagogiques. À ce titre, nous sommes ravis d'accueillir chaque année, au sein du parquet général de Paris et des parquets du ressort, des stagiaires accomplissant leur stage PPI et sans aucun esprit de concurrence. Je lance moi aussi un appel à candidature en vous invitant non seulement d'ailleurs à rester à Paris sur l'île de la Cité, ce qui présente, je dirais, bien des avantages pratiques, mais en allant aussi découvrir la vie des tribunaux périphériques dans lesquels vous apprendrez beaucoup. Intégrés à part entière aux équipes, les stagiaires assistent les magistrats dans l'ensemble de leurs activités. Il s'agit, je le crois, d'un poste d'observation et de réflexion unique sur les missions du ministère public et le fonctionnement de la justice. Vos prédécesseurs ont d'ailleurs attesté la qualité de l'accueil qui leur a été réservé et l'enrichissement incomparable tiré de cette expérience. C'est donc avec plaisir que nous accueillerons celles et ceux d'entre vous qui souhaiteront vivre cette expérience hors du commun. Importante enfin, cette audience l'est aussi, et peut-être surtout, par la force du serment qui en constitue la raison d'être. Vous vous apprêtez devant la cour ici réunie à jurer de conserver le secret de tous les faits et actes dont vous aurez eu connaissance en cours de formation ou de stage. C'est un premier serment prononcé de façon collective à 1566 voix, si le chiffre que l'on m'a donné est exact, réunis, mais qui vous engagera chacune et chacun individuellement. Et j'insiste bien puisque le caractère collectif de cette cérémonie ne doit pas vraiment masquer l'engagement solennel et individuel que chacune et chacun d'entre vous prendront tout à l'heure. Et s'il est communément appelé le petit serment par rapport à votre prochain serment d'avocat, eh bien ce serment n'a de petit que le nom. Car c'est un engagement vers une déontologie cardinale qui impose des devoirs. Ici, celui de conserver en tout et toujours le secret professionnel. Alors que vous allez avoir accès à des informations d'une sensibilité particulière, touchant au plus intime de la vie d'hommes et de femmes qui viendront à votre rencontre, vous devrez toujours, face à un dilemme, choisir de faire primer votre serment sur tout autre intérêt, quel qu'il soit. Car vous aurez entre vos mains ce qui, pour toute personne, est le plus précieux, son honneur. C'est la raison d'être, ce serment, de la confiance qui vous sera accordée, qui sera placée en chacune et en chacun d'entre vous. Celle qui nous permettra aussi, entre professionnels assermentés, puisque nous le sommes, nous autres magistrats, aussi, de dialoguer sereinement, sous la foi du palais, formule si riche de signification et de portée. C'est donc une très engageante promesse
que vous allez faire par ce serment, d'ailleurs qualifié de serment promissoire. En tant que professionnel en cours de formation, appropriez-vous au plus tôt ces réflexes déontologiques qui feront de vous, demain, des avocats droits et compétents, en réalisant aussi l'un de ses devoirs essentiels, celui de la formation. Saisissez-vous de l'occasion unique qui va vous être donnée à l'EFB pour enrichir et actualiser vos connaissances. C'est un impératif face à un droit positif de plus en plus mouvant, en constante évolution. Il n'est pas de légitimité, en effet, sans compétence. Forgez-vous enfin une stature professionnelle, celle qui vous permettra d'adopter le juste positionnement envers chaque acteur, et notamment les magistrats et les greffiers. Trouvez cette juste distance nécessaire à l'œuvre de justice, décrite par Paul Ricoeur, celle qui offre de se connaître et de se reconnaître le droit d'exercer avec respect, rigueur et passion nos missions respectives. En ce sens, comme l'exprimait un ancien procureur général près la Cour de cassation, nos déontologies croisées doivent se rapprocher des fils d'une toile que l'on tisse ensemble et non des fers que l'on croise pour se combattre. Car c'est le sens du travail que nous menons depuis plusieurs années au sein de la Cour d'appel de Paris et en lien étroit avec les bâtonniers successifs auxquels je rends hommage et qui avaient d'ailleurs été fortement soutenus par votre prédécesseur, Madame la bâtonnière, à qui nous pensons tous, bien sûr, aujourd'hui, Monsieur le bâtonnier Olivier Cousy. C'est le sens de ce travail que nous conduisons au quotidien pour préserver la qualité de cette relation indispensable dans notre fonctionnement, cette relation qui nous unit au quotidien, avocats et magistrats. Pour finir, je ne peux enfin que saluer le choix de votre marraine de promotion, Madame Dominique Simoneau, mobilisée depuis toujours aux côtés des invisibles auxquels elle donnait vie par le passé, un passé récent, dans ses chroniques judiciaires. Sachez, Madame la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, notre engagement pour lutter contre toute forme d'atteinte à la dignité des personnes. Au-delà des visites des lieux de privation de liberté que nous assurons avec mes collègues des parquets, soyez convaincus que, pour ma part, je mobilise les forces et les intelligences pour identifier les causes et les remèdes de la surpopulation carcérale, un mal dont je partage avec vous la préoccupation constante, et je rejoins à cet égard le message qui vous a été adressé par Monsieur le Premier Président. Appropriez-vous cette question de l'application des peines. Nous avons des marges de progression considérables dans l'application de la loi de programmation pour la justice de mars 2019. À travers donc la mise en œuvre de ce bloc peine, nous avons des marges considérables de progression pour faire reculer cette surpopulation carcérale qui a atteint, notamment en Île-de-France, un niveau inacceptable. Souvenez-vous donc ainsi, mesdames et messieurs les futurs avocats, qu'il est des combats que nous mènerons ensemble, comme celui de la protection des droits fondamentaux. Soyez donc demain les élèves avocats dignes de ces combats qui nous honorent autant qu'ils nous obligent tous. Au moment de clore mon propos, il me reste à adresser à chacune et chacun d'entre vous, en ces premiers jours de l'année 2023, des vœux chaleureux et sincères de bonne année, de réussite et d'épanouissement. Monsieur le Premier Président, en application des dispositions de l'article 12.2 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, j'ai l'honneur de requérir qu'il plaise à la Cour de recevoir le serment des élèves avocats, de me donner acte de mes réquisitions et dire que du tout, il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Merci, Monsieur le Procureur général. Madame la bâtonnière de Paris, vous avez la parole.
Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Mesdames et Messieurs de la Cour, Madame la Directrice de Greffe, chers futurs consoeurs, chers futurs confrères, c'est très impressionnant de vous voir tout cela et en même temps extrêmement stimulant et joyeux et on est très heureux de vous accueillir. Je voudrais juste vous dire un tout petit mot avant de vous parler un peu plus longuement tout à l'heure pour vous dire d'où je parle, comme on dit. Je parle ici non pas tellement en ma qualité de bâtonnière mais en ma qualité de présidente de l'école. Et à ce titre, je suis le porte-parole, non seulement bien sûr du barreau de Paris, mais aussi de tous les barreaux du ressort, et je les remercie et je les salue, tous mes amis bâtonniers des barreaux du ressort qui sont présents ici, et je ne fais que modestement porter leur voix aujourd'hui. Donc je les salue. Et je voulais également évidemment vous adresser à tous mes remerciements les plus chaleureux. Vous avez dit des mots forts et importants et vous savez à quel point nous les partageons avec le vice-bâtonnier Vincent Nioret sur le fait que c'est aujourd'hui votre entrée dans une communauté, je le dirais tout à l'heure, dans une famille judiciaire. Ce n'est pas un vain mot, il n'est pas question ici de faire de l'angélisme excessif, il n'est pas question ici de nier les différences, il n'est pas question ici de nier l'antagonisme qui est inhérent au débat judiciaire, qui peut parfois être rude, notamment en matière pénale, mais il est question de dire qu'il n'y a pas de démocratie sans une justice forte et qu'il n'y a pas de justice forte sans des juges indépendants et sans un barreau fort et libre, sans des droits de la défense forts, sans un secret professionnel absolu et indivisible. Et c'est sur ce point d'une seule voix que nous sommes venus vous parler tous ensemble ce matin. Donc mille merci encore pour votre présence à tous, pour cette audience délocalisée et hors les murs, en effet un peu inhabituelle, vous l'avez dit, monsieur le procureur général, mais qui nous tient particulièrement à cœur. Vous savez à quel point nous sommes attachés à ce rapport de respect mutuel, de loyauté dans les relations du monde judiciaire. Je ne peux moi aussi que vous encourager à aller en PPI dans les juridictions. C'est une expérience absolument passionnante qui vous permet, j'allais dire presque de façon intéressée, de savoir ce que les magistrats attendent des avocats. C'est quand même assez utile pour ne pas faire complètement fausse route. Donc vraiment, n'hésitez pas, ce sont des expériences extrêmement enrichissantes, extrêmement passionnantes et qui permettent de développer cette culture commune qui nous tient tant à cœur. C'est quelque chose que vous trouverez très prégnant et très présent à l'école puisque la plupart des formations en matière judiciaire sont assurées en binôme par des avocats et des magistrats. C'est quelque chose qui a été souhaité par l'école depuis de nombreuses années et c'est quelque chose qui, pour nous, est extrêmement important. Donc, encore une fois, mille merci et je vais vous demander donc, Monsieur le Premier Président, de requérir le serment de nos élèves avocats. Merci Madame la bâtonnière. Donc effectivement, nous rentrons dans le moment décisif de cette cérémonie. La Cour va en effet recevoir votre prestation de serment pour laquelle je vais vous demander dans un instant, selon l'usage, de vous tenir debout et découvert sans signe distinctif apparent. Je vous rappelle les règles du jeu. Il y aura la lecture de la formule du serment par Madame la directrice du greffe, puis ensuite, à mon signal, je lèverai la main ou les deux mains, vous direz d'une seule main, je le jure, qui sera l'engagement solennel que vous prendrez au même moment. Et des membres du Conseil de l'Ordre sont dans les travées pour s'assurer que chacune et chacun accomplit bien ce devoir essentiel. Si tout le monde est prêt, je vous demande, chers élèves avocats, de vous lever. Je demande maintenant à Madame la directrice du greffe de bien vouloir donner lecture de la formule du serment. Je jure de conserver le secret de tous les faits et actes dont j'aurai eu connaissance en cours de formation ou de stage. Donc, à mon signal, je vous demande d'une seule voix
forte de dire « je le jure ». Donc je lève les mains et c'est le moment. Pas de difficulté, tout le monde a bien prêté serment. Donc, si c'est le cas, la Cour, c'est le cas, la Cour donne acte à Monsieur le procureur général de ses réquisitions, à Madame la bâtonnière de ses observations, à Madame la directrice du greffe de la lecture du serment et aux élèves avocats de la promotion 2023-2024 de leur prestation de serment. La Cour ordonne que du tout il soit dressé procès-verbal qui sera annexé au registre des délibérations de la Cour d'appel. Monsieur le procureur général, avez-vous d'autres réquisitions ? Monsieur le Premier Président, je n'ai pas d'autres réquisitions. Merci. La Cour remercie particulièrement Madame la bâtonnière, Monsieur le directeur de l'école et l'ensemble des barreaux pour la parfaite organisation de cette audience. L'audience est levée. Bravo à tous, magnifique. Vous êtes maintenant élève d'avocat. Vous pouvez donc venir en stage dans mon cabinet pour ceux qui le souhaitent, mais j'en parlerai plus tard. Non, c'est tout de même un magnifique moment de vous entendre collectivement prêter ce serment. On remercie évidemment la directrice du greffe, le procureur général, le premier président et l'ensemble de la Cour d'avoir participé à cette audience solennelle délocalisée. On a appris par la même occasion que le palais des congrès a été construit par le même architecte que Fleury Mérogis, donc on est vraiment très heureux de le savoir. Et j'appelle tout de suite, pour poursuivre sur un mode moins solennel, mais tout aussi important, cette cérémonie, monsieur le directeur de l'EFB. Bonjour à tous. Ces premiers mots sont tout d'abord pour vous, élève avocat, pour vous féliciter de votre réussite à l'examen. Chacun d'entre vous, vous avez fait un choix fort, celui de vous engager dans cette profession qui est essentielle dans tout état de droit, celle d'avocat. Vous avez franchi la marche la plus difficile, celle de l'examen d'entrée. Mais il vous appartient, avant d'exercer, de vous former à la pratique professionnelle spécifique de l'avocat. Et c'est donc au sein de l'EFB que vous allez acquérir cette formation. Et je suis content de vous accueillir au nom de l'ensemble du personnel de l'EFB dans ce qui est désormais votre maison de formation, l'EFB. EFB. Ce sigle de trois lettres évoque pour chacune des personnes présentes dans cette salle des contenus différents. Ceux qui tiennent aux appellations exactes vous diront qu'il s'agit de l'école de formation professionnelle des barreaux du ressort de la Cour d'appel de Paris. À juste titre, nous sommes attachés à être le centre de formation en lien avec tous les barreaux du ressort. J'en profite d'ailleurs pour saluer les bâtonniers ou représentants des barreaux de Paris, mais aussi de ceux d'Auxerre, de l'Essonne, de Fontainebleau, de Meaux, de Melun, de Seine-Saint-Denis, de Sens et du Val-de-Marne. Et en même temps, je vous rappelle à vous, élèves avocats, qu'il existe aussi des opportunités de stage
dans chacun de ces différents barreaux. Pour d'autres, avocats expérimentés, l'EFB, et ceux auxquels je pense, ces avocats expérimentés, qui peuvent peut-être se trouver parmi les premiers rangs de cette assemblée, se rappelleront avec quelques trémolos dans la voix d'un temps lointain où l'EFB était rue de Charenton. Ce qu'ils vous diront peut-être pas, c'est que les locaux étaient très peu fonctionnels, voire inadaptés. J'ajouterais que depuis ce temps-là, la formation a bien changé et qu'elle s'est beaucoup professionnalisée. Pour d'autres, attentifs à l'aspect institutionnel, l'EFB est un établissement d'utilité publique doté d'un conseil d'administration. La présidente de notre conseil d'administration, ai-je besoin de le préciser, est la bâtonnière de Paris, Julie Couturier. Vous avez la chance, vous, élève avocat, d'avoir une présidente très soucieuse de votre formation et toujours à votre écoute. Merci, chère Julie, pour cette action à la présidence du conseil d'administration. Je pourrais continuer à évoquer ce que représente l'EFB pour tel ou un tel. Mais aujourd'hui, ce qui importe, c'est que vous êtes les forces vives de l'EFB. Vous, les 1566 élèves avocats de la promotion 2023, ou plutôt de la promotion Simoneau. Vous serez désormais connus, identifiés sous le nom de votre marraine de promotion, Dominique Simoneau. Je me félicite de ce choix. Dominique Simoneau est une femme engagée, une femme d'action. Elle joue aujourd'hui un rôle essentiel pour faire évoluer la situation dans nos prisons françaises. Dominique, et je l'en remercie, a déjà prévu d'intervenir et d'être présente avec vous pendant toute votre formation. Une formation qui va durer 18 mois. J'ai bien dit 18 mois. Cette période comprend bien sûr les 6 mois au centre de formation, mais aussi les 6 mois de stage dans un cabinet d'avocats et les 6 mois de stage dans une autre entité. Ces stages sont aussi des temps de formation pour vous et vous devez les considérer de la sorte. Nous sommes attentifs à ce que ces périodes de stage soient de réelles périodes de formation. Donc, 18 mois de formation, c'est à la fois long et court. Long, très certainement pour vous qui êtes pressé de pouvoir exercer vos fonctions. Court, puisqu'il convient de vous faire acquérir les pratiques professionnelles, un savoir-faire et aussi un savoir-être. Et donc, cette formation, elle vous est destinée. Mais vous ne serez pas que des consommateurs de formation. Vous en êtes aussi les acteurs. Nous vous proposons de choisir des formations spécialisées en vous invitant de retenir deux des parcours dans une large palette de 13 et bientôt 14 domaines de compétences. Vous serez impliqués pour vous livrer tant à des activités de conseil que de contentieux au travers des foisonnements, un mot qui désormais vous sera très familier, vous serez amené à être mis en situation. Vous pourrez aussi participer à des consultations juridiques, en particulier grâce à la clinique juridique et aussi à des activités en groupe. Pour paraphraser le président délégué de la commission formation du CNB, Jean-François Mérienne, que je salue, vous pourrez être fier de votre formation. Vous êtes déjà venu en ce début de semaine à l'EFB pour retirer votre carte d'élève avocat et aussi pour recevoir en prime ce qui va devenir votre nouveau livre de chevet, le code de déontologie de 1091 pages. Je le dis à peine en souriant parce que la déontologie est l'élément central de votre identité professionnelle.
Loin d'être une contrainte, la déontologie est et doit être une plus-value essentielle pour vous. À l'EFB, nous souhaitons vous donner les fondamentaux en matière d'exercice de l'activité professionnelle de l'avocat avec, comme je viens de l'indiquer, la connaissance des règles de déontologie. Mais nous vous aiderons aussi à comprendre comment fonctionne un cabinet, quelles sont, par exemple, les contraintes économiques de gestion d'un cabinet. Enfin, nous avons conscience que vous êtes les avocats de demain et que, vous, à ce titre, vous devez manier aisément tous les outils d'intelligence artificielle utiles à la profession, de même que les banques de données. Nous vous ferons participer au travers de notre lab à des activités qu'on peut encore qualifier de nouvelles pour les avocats. Aujourd'hui, vous venez de prêter serment devant la cour d'appel. Cet acte solennel est important. C'est un premier pas vers l'accès à la profession d'avocat. Le premier président, Jacques Boulard, et le procureur général, Rémy Hetz, vous ont rappelé le sens de cette prestation. Je tiens à saluer amicalement ces deux chefs de la cour d'appel qui encouragent les magistrats judiciaires à participer aux actions de formation de l'EFB. Merci aussi à Pascal Fombeur, président de la cour administrative d'appel, qui partage cette volonté d'associer les magistrats administratifs à la formation des avocats. Notre ambition à l'EFB, vous l'avez compris, c'est de vous préparer au mieux afin d'exercer le métier que vous avez choisi, mais au préalable, il vous faut réussir le CAPA. Le CAPA, ce certificat d'aptitude, il se mérite. Il n'y a pas de délivrance automatique pour tous ceux qui entrent à l'EFB. Alors un conseil, ne négligez pas votre formation parce que vous pensez déjà à l'étape suivante. En revanche, si vous suivez régulièrement votre formation et que vous impliquez dans celle-ci, vous pourrez alors accéder à l'avocature. Sachez que toute l'équipe de l'EFB est mobilisée pour vous assurer une formation de qualité. Je conclurai en vous présentant mes vœux pour la nouvelle année, à vous, mais aussi à tous ceux, et je pense tout spécialement à nos intervenants qui participent à la formation. Merci pour leur implication au sein de l'EFB. Merci à vous. Merci, monsieur le directeur. Je voulais vous dire deux choses avant de lancer la suite des opérations. C'est d'une part que c'est vrai, la déontologie est extrêmement importante, on vous l'a dit, on vous l'a redit, notamment parce que ça compte beaucoup dans votre note finale. Moi, je m'en souviens, j'ai beaucoup dû la travailler au moment des épreuves finales, donc travaillez là, ne serait-ce que d'un point de vue scolaire, pour avoir votre CAPA, vraiment, c'est essentiel. Et ensuite, je voulais vous dire qu'il y a parmi vous, parmi les 1500 et quelques d'entre vous, certains qui vont prêter serment, ça a été dit, à Bobigny, à Sens, à Évry ou à Créteil, ou à Fontainebleau, ou à Meaux et à Melun, et que je les salue, puisque dans mon exercice professionnel quotidien, j'ai l'habitude de rencontrer des avocats de ces barreaux-là, avec lesquels les échanges sont toujours vraiment de grande qualité, et que ce sont d'excellents avocats que je m'honore de compter parmi mes confrères. Et c'est pour ça que je voudrais saluer cela particulièrement, puisque maintenant, j'appelle la bâtonnière de mon ordre, de la bâtonnière de Paris, Madame Julie Couturier. Nos amis magistrats
est en partie, je le salue néanmoins, Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel, cher Jacques Boulard, Monsieur le Procureur Général, cher Rémy Hetz, Madame la Présidente de la Cour administrative d'appel, cher Pascal Fombeur, c'est très important, le droit public, intéressez-vous aussi au droit public, c'est un marché d'avenir. Mesdames et Messieurs les magistrats, Madame la Directrice de greffe adjointe, Monsieur le Président de la Commission formation du CNB, cher Jean-François Mérienne, Monsieur le Président de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, cher François Molinier, Mesdames et Messieurs les bâtonniers et vice-bâtonniers, avec encore une mention spéciale pour nos amis bâtonniers du ressort, Monsieur le vice-bâtonnier, cher Vincent, Mesdames et Messieurs les membres et anciens membres du Conseil de l'Ordre, Monsieur le directeur adjoint de l'ENM, Monsieur le directeur de l'EFB, cher Gilles Accomando, Madame la directrice adjointe de l'EFB, chère Clémentine Kletz, Mesdames et Messieurs les hautes personnalités, cher Dominique Simoneau, chers futurs consoeurs, chers futurs confrères. Je vais commencer par là où le directeur a terminé. Nous sommes au début de l'année et donc à l'aube de cette année 2023. Je tiens évidemment à vous adresser mes vœux les plus chaleureux, des vœux de bonne santé, de joie et de réussite pour cette année qui signe votre entrée dans la communauté des avocats. Une communauté, une famille, oserais-je dire, soudée, conviviale, où se rencontrent les personnalités et les profils les plus divers. Il y a ceux qui pratiquent avec délectation la joute verbale, ceux qui ont la passion du mot juste, ceux qui vivent le code à la main, ceux qui ont des intuitions fulgurantes, ceux qui voyagent, ceux qui arbitrent, ceux qui ont le goût du contentieux, ceux qui conseillent, ceux qui apprécient les data rooms, ceux qui courent après la lumière, ceux qui n'aspirent qu'à l'ombre et au secret. Une somme hétéroclite d'individus qui, ensemble, forment une profession exceptionnelle, qui continue d'attirer des talents des meilleures universités françaises, vous en êtes la preuve vivante. Cette profession a le grand mérite d'offrir à celui qui l'épouse un monde de liberté. S'il faut du courage pour exercer une profession libérale à notre époque, soyez assurés que vous ne serez jamais seul. La confraternité vit toujours, son cœur bat vite et fort, tout comme celui de l'ordre qui n'aura votre exercice durant de cesse de protéger ce que vous êtes, ce que nous sommes. La liberté dont vous bénéficierez vous permettra de devenir l'avocat que vous souhaitez être. Bientôt, vous aurez vos propres dossiers, vous rencontrerez celles et ceux que vous défendrez ou conseillerez, que vous soyez collaborateur, associé ou que vous exerciez en individuel. Vous passerez des jours entiers plongés dans d'autres vies que la vôtre. Bien sûr, le chemin sera long, tortueux, parfois grisant, souvent épuisant, mais croyez-moi, il vaut la peine. Il vaut la peine non pas pour la beauté du geste, mais parce que tout au long de celui-ci, vous évoluerez dans un univers fait de chair et d'os, où l'humain occupe la place centrale, où l'autre n'est jamais nié, jamais effacé, jamais oublié. L'autre, c'est un homme, c'est une femme, en faute ou pas, conscient ou non, lésé, blessé, abusé, qu'importe. C'est un homme, c'est une femme qui, à un moment donné, a besoin que quelqu'un l'écoute, le conseille et porte sa voix. Qu'il s'agisse d'un divorce, d'un viol ou d'un meurtre, d'une cession d'entreprise, d'une liquidation judiciaire, d'un locataire sur le point d'être expulsé ou d'un propriétaire abusivement squatté, vous devrez être capable de vous mettre à sa place, c'est-à-dire au fond, de faire la preuve de votre humanité. Vous devrez comprendre pour pouvoir défendre. Les défendre tous pour que jamais ne s'épanouisse le règne de la vengeance et du règlement de compte. C'est l'engagement des avocats. Un engagement qui en appelle d'autres, en faisant de celui qui porte la robe noire un être à part dans la société, un être qui porte une mission capitale, faire vivre la force du droit. À notre époque, la chose est moins aisée qu'on ne le pense. Plus un jour ne passe sans que l'on exige l'imprescriptibilité de certains crimes, le durcissement de certaines peines, voire le retour de la peine de mort. La présomption de culpabilité n'est plus un bon mot, mais un mouvement politique. Nous évoluons au cœur d'une société en colère dont l'exigence fait tanguer les fondamentaux de l'état de droit. Une des preuves de tout cela tient en deux chiffres. Au 1er décembre 2022, 72 836 personnes étaient détenues dans les prisons françaises, alors même que l'administration pénitentiaire ne déclare que 60 698 places opérationnelles. À l'heure où je vous parle, 12 138 hommes et femmes sont donc emprisonnés sans bénéficier d'une place à proprement parler. Ne pas bénéficier d'une place, cela signifie dormir sur des matelas au sol, dont le nombre a explosé de 405% entre 2020 et 2022, passant de 422 à 2133, subir le froid, la promiscuité,
l'humidité, l'assaut des cafards, la cohabitation avec la puce et les poux. Ne pas bénéficier d'un lit, ne pas pouvoir assouvir ses besoins naturels en toute intimité, ne jamais d'ailleurs avoir aucune intimité, ne jamais bénéficier d'un instant pour ne serait-ce que s'écouter penser. En somme, des hommes et des femmes à qui, en France, en 2023, au prétexte qu'ils doivent être punis, est renié le droit fondamental à la dignité. La situation est connue, la France a d'ailleurs été condamnée en janvier 2020 par la Cour européenne des droits de l'homme pour ses conditions de détention inhumaines et dégradantes. Mais si elle est connue, elle n'est pas assez analysée sous le prisme de notre contemporaine passion pénale. Le tribunal médiatique juge tout de suite, exige que la justice condamne et enferme vite, pour longtemps, puis passe à autre chose. Les conditions d'exécution de la peine n'intéressent personne. Pourtant, avant de légiférer, avant de condamner, avant d'enfermer, encore faut-il avoir les moyens de la punition, les moyens de surveiller et les moyens de réinsérer. Poser la question de la possibilité pratique de l'enfermement devrait être un préalable au prononcé de toute peine. Et en disant cela, je me fais l'écho de nos amis magistrats qui, depuis des années, tirent la sonnette d'alarme. Depuis un an maintenant, les bâtonniers bénéficient d'un droit de visite dans les lieux de privation de liberté. Je l'exerce, nous l'exerçons avec une équipe à l'ordre. Et je peux témoigner de l'insalubrité, de la violence, de la peur qui règne dans de trop nombreuses cellules de commissariat, dans certains centres de rétention administrative, dans certaines prisons. Des hommes et des femmes sont enfermés dans des espaces qui ne ressemblent à rien, en rien, au monde des hommes. Dans ces conditions, comment s'étonner que trop souvent, le droit n'y est plus court et que la loi du plus fort remplace toutes les autres. L'indignité des conditions d'enfermement, ses raisons et ses effets attaquent directement la crédibilité de la justice. La peine ne peut avoir de sens, aucun cheminement existentiel ne peut s'exercer dans ces conditions. Alors émerge une question. Si le pouvoir judiciaire n'est plus capable d'assurer concrètement, pratiquement, l'œuvre de justice, que devenons-nous ? La réponse est dramatique. Nous devenons une société sans foi, ni loi, nous retournons en arrière. Il faut être bien conscient que ce qui est en jeu dans ces lieux que l'on soustrait aux yeux du grand public, c'est notre avenir à tous, c'est notre capacité à faire société. Parce que nous sommes avocats, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Parce que nous sommes les premiers témoins des conditions de détention de ceux que nous assistons, parce que nous sommes les premiers témoins des drames qui agitent notre société, parce que nous avons la capacité de comprendre et de traduire ce qui se joue. Nous devons joindre notre voix à celles et ceux qui, chaque jour, alertent, bataillent, s'escriment sans relâche pour que le pénitentiaire bénéficie de l'attention et des moyens dont il a cruellement besoin. Et c'est à vous, désormais, dans la lignée des avocats qui vous ont précédés, qui se sont battus pour que la dignité ne devienne jamais un vain mot, de vous engager. Ce n'est jamais chose aisée, je le sais. Mais je sais aussi que la force d'engagement dépend souvent de la sincérité et du courage de celui, de celle, qui nous l'a inspiré. C'est pour cette raison que j'ai demandé à Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, de bien vouloir être votre marraine. Cher Dominique, ton courage, ton abnégation, ta voix sont particulièrement précieux par les temps qui courent. Merci d'avoir accepté de baptiser de ton nom cette nouvelle promotion et de partager ton expérience avec nos élèves avocats. Pour toi, la dignité, le respect qui est dû à chacun n'est pas un concept abstrait, c'est un combat. Et si, avec le vice-bâtonnier Vincent Nioret, nous avons souhaité donner ton nom à cette promotion, c'est pour que ce mot « dignité », qui est le premier de notre serment, ne devienne jamais abstrait, en aucune situation, pour aucun avocat. L'an dernier, au moment d'accueillir la promotion Richard Malka, j'avais insisté sur la nécessité pour un avocat de construire et de faire vivre son indépendance. Une invitation que je renouvelle auprès de vous, chers élèves avocats, alors que vous entamez ces 18 mois qui vous séparent du CAPA et de votre prestation de serment, la grande. 18 mois pour découvrir les fondamentaux du métier d'avocat, l'exercice en cabinet, le travail en entreprise ou en juridiction, PPI en juridiction, et préparer votre entrée dans la profession. 18 mois qui ont aussi vocation à stimuler votre sens critique, votre curiosité et à poser les fondements de votre confraternité. N'hésitez donc pas à vous engager dans les nombreuses associations d'avocats que vous serez amenés à découvrir. Elles vous offriront autant de souvenirs impérissables que de relations précieuses. Dans les mois à venir, au sein de l'EFB, vos professeurs, qui sont avant tout des professionnels aguerris, passionnés, auront comme mission de vous exercer au deuxième sens du terme, c'est-à-dire de participer à votre entraînement.
d'être un peu vos sparring partners, en quelque sorte. Un entraînement qui vous amènera à choisir vos combats, à déterminer quel avocat vous souhaitez être, et surtout à comprendre que l'on n'apprend pas à être avocat. On s'exerce, et un jour, on le devient. Dans leur récent ouvrage « L'avocate était une femme », notre consoeur Julia Minkowski et la journaliste Lisa Vignoli, qu'il co-signe, rapportent les confidences d'une consoeur dont on connaît la force des engagements, Marie Dosé, pour ne pas la citer, et elles écrivent « Elle n'a gardé aucun souvenir de l'école de formation du barreau de Paris, pas une salle, pas un intitulé de cours ne lui est resté en mémoire, je ne sais même plus où elle se trouvait, ce n'est pas normal. » Je suis bien d'accord avec Marie Dosé, ce n'est pas normal. Notre consoeur n'est pas la première à formuler ce genre de critique, et si je la cite aujourd'hui, c'est pour vous dire que depuis le temps, les choses ont bien changé. Oui, les choses ont changé grâce à la détermination d'une lignée de bâtonniers dans laquelle je m'inscris, grâce à une direction impliquée, grâce à l'investissement des confrères ces dernières années, nous avons repensé autant la forme que le fond de l'enseignement que nous vous proposons. Nous l'avons rendu plus pratique, nous l'avons ancré dans le réel également, en mettant au programme le droit des NFT ou des crypto-monnaies, en renforçant la place donnée au contentieux de l'environnement, plus politique aussi, en renforçant le nombre de formations conjointes avec les élèves de l'École nationale de la magistrature. Je ne reviendrai pas sur ce thème qui a été longuement abordé ce matin, mais vous avez compris qu'il nous était cher. Aujourd'hui, votre école rayonne, tant et si bien qu'elle est devenue le premier centre de formation en Europe par le nombre d'élèves avocats. Soyez assurés qu'en 2023, nous poursuivrons nos efforts pour que l'EFB demeure l'école d'excellence de notre profession. Une école qui a vocation à servir de tremplin, une école qui stimulera votre curiosité et votre sens de l'engagement pour vous permettre de libérer tout votre potentiel. Je vous souhaite d'en profiter, je vous souhaite de vous engager et je vous souhaite une excellente scolarité à l'EFB. Je vous remercie. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Dominique Simoneau, marraine de la promotion 2023-2024. Écoutez, bonjour, merci. Je salue toutes les hautes personnalités et je les remercie, celles qui m'ont précédée. Et je les remercie particulièrement, d'abord, de m'avoir fait l'honneur de me nommer marraine de la promotion d'un des plus beaux métiers du monde, à part le mien, maintenant. C'est une fierté immense pour moi. Merci à ceux qui m'ont précédé là, les orateurs qui m'ont précédé, d'avoir tant parlé de la peine, des prisons et de tout ce qui finalement fait mon métier d'aujourd'hui, à savoir les conditions indignes dans lesquelles nous osons en France détenir des êtres humains. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, je sais, je me suis un peu renseignée sur vous, ma chère promotion, mes chères filleules, d'abord, pour vous dire que je me suis renseignée sur vous, mais je tiens à vous dire que je serai une marraine extrêmement exigeante et présente et que j'aimerais vous attirer vers ce qui fut ma passion et qui est mon obsession, la comparution immédiate, puisque c'est elle, cette procédure expéditive, qui remplit, disons, l'immense majorité des places de prison. Et je vais commencer par vous raconter, et je veux vous attirer là-dedans pour vous dire qu'il faut y aller. Même si beaucoup d'entre vous se destinent au métier d'avocat d'affaires, eh bien, il n'y a pas de meilleure école que la comparution immédiate pour apprendre le métier d'avocat, pas de meilleure école que d'aller assister aux audiences, pas de meilleure école que de se passionner pour ce qui fait le fond de votre serment, à savoir les démunis, les plus démunis, c'est-à-dire ceux, ne nous le cachons pas, qui défilent aux comparutions immédiates.
J'ai rien trouvé de mieux pour vous les décrire d'abord que un président qui un jour à Nice, que j'ai entendu dire, « Monsieur, vous feriez mieux de dire la vérité au tribunal, le prévenu. Ben, qu'est-ce que j'y gagne, monsieur le juge ?»« Ah, monsieur, rien du tout. Ici, on perd toujours. » Je me suis dit, « Tiens, c'est bien pour un juge. » J'ai trouvé ça assez courageux, c'est pas mal. Et puis, un avocat à une audience qui dit, « Madame la Présidente, c'est la première fois que je plaide aux comparutions immédiates et je suis effarée. Je ne parle pas seulement du choc d'entendre traiter les prévenus comme des idiots, mais aussi des peines qui tombent, des débats tronqués, des dossiers bâclés. C'est un jugement sévère, mais c'est celui que j'ai eu l'occasion, grâce à mon métier de journaliste, de porter pendant 28 ans d'assistance assidue aux audiences de compas. Et pour vous raconter que ce que je n'aimerais pas, c'est que vous soyez certains avocats que j'ai entendus plaider, c'est-à-dire, parfois, on se dit, quand même, je vais me lever et je vais plaider à sa place, ça ne va pas être pire. Par exemple, oui, mon client a conduit sans permis et il s'est fait prendre pour la quatrième fois. Mais il a pris le volant pour rendre visite à sa famille, bien plus importante à ses yeux qu'une condamnation. 6 mois ferme. Ou je suis désolée pour mon client qui, malgré sa présence en France depuis plus de 10 ans, n'a fait aucun effort pour apprendre notre langue. Ou, sous la présidence d'une haute personnalité que je salue, en la personne de votre directeur Gilles Accomando, j'ai entendu, vous allez voir, c'était 2 petits gamins, enfin je ne peux pas appeler ça autrement que des gamins, ils avaient 18 ans, et avec une pétoire achetée dans une brocante, ils avaient cru braquer, ils avaient braqué un hypermarché dans le sud de la France, près d'Avignon, et la pétoire n'était pas chargée. Le procureur les accuse d'avoir mûrement réfléchi leur coup et très bien préparé, réclame une très lourde peine ferme, et l'avocate se dandine. Elle dit, elle proteste, elle dit, « Eh bien, heureusement qu'ils étaient organisés, car dans un braquage, la dangerosité vient du manque de préparation. » Je crois que cette avocate fait partie de celles pour lesquelles les magistrats me disent « Tu vois, parfois ils sont très très mauvais, alors nous, on balance un peu, on tend à essayer d'améliorer les choses, on se dit « Non, c'est pas possible, l'avocat était trop mauvais, on va diminuer la peine. » Et alors que du ferme était vraiment requis, ils ont eu un gros sursis et un petit sermon sous la présidence de Gilles Accomando. Donc franchement, ça faisait plaisir parce que les 2 gamins, c'était une enfance à pleurer. Et, ou alors, autre exemple, un jour où j'étais invitée à la conférence du stage à parler de mon obsession pour les flags, je fais mon petit discours comme je vous le fais aujourd'hui. Alors, faut y aller, faut y être meilleur, vous n'êtes pas toujours bon, c'est pas bien du tout, et gna gna gna. J'étais alpaguée après par une des secrétaires de la conférence qui me dit, oui, bon, d'accord, écoute, c'est bien sympa, mais faut pas se leurrer. Les gars dans le box, ils sont tous coupables. J'ai dit, ouais, à ce compte-là, il n'y a pas tellement besoin de procureur, hein. Il suffit de prendre son avocat commis d'office. Voilà. Puis je voulais vous inciter à autre chose, c'est à vous méfier et à vous raconter l'histoire de Vamara Kamagaté, qui est un type, un prévenu que même son avocate n'avait pas cru, qui protestait de son innocence, qui était accusé par une jeune femme de l'avoir touché les seins, le sexe, de l'avoir menacé. En plus, il était africain, sans papier,
il fumait le chichon, il avait des dreadlocks, il avait tout pour plaire. Et elle l'avait reconnu sur le fichier que lui avait présenté la police. Et il a été condamné malgré ses protestations d'innocence. Sur le thème de quel intérêt, monsieur, aurait-elle à vous accuser ? Eh bien, l'intérêt, ça n'était pas un intérêt, c'était un profond traumatisme qu'on a compris 2 mois plus tard, quand la jeune femme qui n'était pas venue à l'audience, vous savez qu'il faut toujours exiger qu'un accusé soit confronté à son accusateur, elle n'était pas venue à l'audience pour cause de trop grand traumatisme. Le type a pris 2 ans et elle a été rongée de remords. Elle a eu du courage, beaucoup de courage, parce que 2 mois plus tard, elle s'est précipitée chez son avocate de la partie civile, donc, et elle lui a dit, écoutez, j'ai menti, parce que dans mon enfance, mes parents n'ont prêté aucune attention à une agression sexuelle que j'avais subie. Je n'ai jamais été reconnue comme victime, et je voulais l'être tellement que j'ai accusé ce pauvre gars que je ne connais absolument pas, qui ne m'a jamais abordée. Et une enquête a été ouverte, Vamara a été relâché. Entre-temps, il avait fait 2 AVC à Fresnes à force de hurler « Je suis innocent ». Eh bien, c'est ça, monsieur. Ici, bien sûr, il n'y a que des innocents ici. Et puis, il est sorti. Il était rudement content. Il était reconnaissant à la jeune femme. Et malheureusement, il est mort de son 3e AVC sans avoir vraiment le temps de goûter la liberté. Je vous dis ça parce qu'il faut que nous, moi, ancienne journaliste, vous les avocats, vous les magistrats, ce doute, il ne doit jamais nous quitter, même quand on n'a pas envie de croire son client. Il faut toujours qu'un morceau de nous-mêmes, de vous-même, se dise, attention, je peux me tromper, méfiez-vous des certitudes. Enfin, je vous rappellerai que la compas, c'est le symbole de tout ce qui a raté avant. Finalement, on demande à la justice de faire quelque chose pour des gens dont près de 50% sont passés par l'aide sociale à l'enfance, près de 50% sont pratiquement à la rue, près de... c'est des gens, oui, pour qui tout a raté. C'est pour ça qu'ils sont compris dans votre serment. Et je vous demande de vous souvenir toujours de ces phrases de vos anciens, les défendre tous. Alors, avocat d'affaires ou pas avocat d'affaires, avocat civiliste, pénaliste, comment on dit, publiciste. Eh bien, je vous le redis, il n'y a pas de meilleure école que la compas. Henri Leclerc le disait aussi, il disait qu'il faut y aller former, mais c'est une école sensationnelle. Et croyez-moi, je vous traquerai, je vous espionnerai, je viendrai vous voir plaider, vous admirer, j'espère, et j'espère que je serai très fière de vous, je le suis déjà, et je viendrai souvent vous voir à l'école, et on parlera ensemble de ça, de comment on plaide en compas, comment on fait pour y être le meilleur, et remporter la mise. Merci à vous tous, à vous toutes, et à très bientôt à l'école.